C'était pas pour qui? C'était pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Enis, 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 Enis. Hey! Non, 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 non. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que... C'est Facebook, c'est Facebook. J'ai vu un pasteur, on m'a amené la vidéo d'un pasteur qui était long babble. Qui a fait une vidéo, oui, Makoso, oui, c'est vous qui semez la haine entre les pays et autres. Ça fait deux fois que tu fais vidéo pour chercher à me prendre comme ton égal. Deux fois. La troisième fois, il était rendu star, mais pas dans le bon sens. Deux jours là, Makoso a décidé de changer. Quand il y a un béret qui vient sur la toile là, petit, chacun allume sa caméra et puis fait vidéo. Il donne son opinion. On appelle ça la liberté d'expression. Si tu ne connais pas ces B.A.B.A. des réseaux sociaux, pardon, dégage de Facebook. Makoso sur Facebook là, je ne suis pas pasteur. Je suis influenceur. Je suis coach. Et de temps en temps là, je prêche mon évangile. Point barre. Celui qui m'accepte, il m'accepte. Celui qui ne l'accepte, qui n'accepte pas, c'est son problème. Le 4 septembre, je dis bien le 4 septembre, à Paris, à Bobigny, je t'invite. Viens voir pour dire Marco, cela c'est qui Miko en met dans l'exercice de ses fonctions. Il faut te calmer. Faut te calmer vite même. La première fois que tu as fait une vidéo sur moi, ça t'a donné des vues hautes. Tu as pensé, non, hein? Toi et moi, c'est là, par le téléphone. Tu connais mon cœur. Tu connais la bonté de mon cœur. Tu viens à Abidjan, il te dit quand tu viens à Abidjan, c'est moi qui t'accueille. Tu es camerounais, mais je t'accueille. Logement, voiture, tout. Tout ce que tu as fait là, je ne mets pas en compte. Parce que c'est mon cœur. Aider des gens. Il y a une affaire qui est sur les réseaux sociaux. Deux icônes, deux stars. Les gars, mais ça c'est le béret de la main. Coco Migala, elle était star. Francis Ibembala, il n'est pas connu. Là, on parle de deux stars. Une humoriste et un artiste. L'un des artistes les plus talentueux du Cameroun. On dit qu'il y a une naga. Vrai naga. Et puis nous, on est à laisser ça passer ça comme ça. Nous, on est maudits, quoi. Et qui est Yabere, Yabere. Nous tous, on s'assoit et puis on mange ça. Aïe. Attends, il n'y a rien de parler de quoi? Maintenant, j'aimerais venir à quelque chose. On dit Enis est ténor. Précisons, on n'a pas dit Côte d'Ivoire, Cameroun. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, dans tout amusement, ça devient la haine. Là, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. C'est une nation où il y a violence. Ça s'est passé il y a un mois. Celui qui a filmé. C'est le manager du ténor. Donc la vidéo est dans son téléphone. C'est lui qui est propriétaire de la vidéo, de la fête qui a eu lieu. J'entends beaucoup de versions qui sortent et autres. Dans moi, ma vie, je serai toujours un homme logique jusqu'à décourager celui qui veut décourager. C'est mon droit de donner mon opinion. Je ne suis pas un mouton qui suit l'avis ou l'opinion de la majorité des abonnés ou des commentaires. Non! Parce que la majorité peut avoir tort. Parce que 80% des gens qui sont sur Facebook, parce qu'ils sont bêtes, qui sont sur Facebook, sont les gens vraiment intelligents. Ils sont venus travailler. Dans les cas, c'est gérer ici, entre nous-mêmes, en séparer. On a quand même manqué de respect à des personnes. Hein. Une affaire aussi piquante. Trois jours même on est dessus, qu'est-ce qu'il y a? Mais en même temps, il faudrait qu'on soit logique. Enis est ivoirienne. Ténor est camerounais. Il y a déjà eu un passif. Côte d'Ivoire, Cameroun, dans l'histoire de la CAN. Celui qui allait se sacrifier là, c'était moi. Parce que je reconnais mon erreur dans cette affaire. Tous les Ivoiriens se sont levés contre moi. J'ai dit, je ne recule pas parce que j'ai posé une bonne action. Jusqu'à ce jour. Que ce soit dans les plus hautes sphères du Cameroun, on respecte Kami Makoso pour sa détermination. Et je ne recule pas. Ici, là, quand Ténor et Enis se sont levés leur caleçon pour la première fois pour Mougou, là, ils n'ont pas appelé la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas appelé le Cameroun. Ils sont allés se m'appeler les dons, ils n'étaient pas présents.
Comprendo? On n'a pas dit Côte d'Ivoire, Cameroun, chanter de ce bougou. Donc, on est dans une affaire de ténor et de Eunice. Déjà, les histoires qui commencent, nous les Camerounais, nous les Camerounais, nous les Ivoiriens, arrêtez ça en même temps. C'est-à-dire, arrêtez ça. C'est comme ça que vous allez créer des tensions et mettre très en mal nos autorités. C'est comme ça que ça commence et nos autorités sont très mal à l'aise. Parce que c'est Facebook désormais qui est devenu la substance pour tout diviser. C'est une affaire de pin et de con. D'une affaire d'un dossier où il y a même eu un moubouli le matin. Ah! Non! Ah! Même matin, il y a eu ma ploli. Un vrai moubouli. Il y a une jouissance qui finit par un yaga. Je suis inspecteur Colombo des réseaux sociaux. Mon enquête est bien ouverte. La vidéo que j'ai eu à faire. Audu, ça dit ce mardi, c'est juste l'introduction. C'est l'intro. Le dossier est sorti. J'ai vu plusieurs influenceurs sortir. D'autres ont fait 5 000, d'autres ont fait 6 000, d'autres ont fait 10 000. Je suis venu faire 15 000 pour montrer au petit que papa reste papa. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu sors, d'abord tu prends les informations à gauche, et puis tu rappelles l'historique. L'historique, là, il faut rappeler ça. Il faut rappeler l'historique. Ténor, dans son histoire d'accident, n'est pas encore totalement libre. Hein. Le dossier pend devant la justice. Et j'ai dit une chose. Et ce que j'ai dit est logique. Vous savez, les associations de défense des femmes, là, au prétout profané, c'est-à-dire il y a des femmes qui ont des prétouts profanés, elles n'ont rien à faire. Elles sont devenues lélées, elles se lapent entre elles. Et puis elles créent des associations. Dès qu'on apprend que c'est une star, un artiste qui est dans une affaire où il y a violence, elle récupère ça, médiatise ça, parce que leurs agents, elles ont bien de légitimer ça devant des sponsors internationaux. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, Ténor, c'est notre fils, Eunice est tel, garçon en matière de relations femmes, une affaire bien où tu tombes là, gros, il n'y a pas de dignité. Ah, c'est conseil, hein? Moi, j'oblige personne. Ténor ne sera jamais mon ennemi. Mais Eunice reste ma fille. Comprenez donc, Eunice, c'est ma fille. Je connais Eunice comme ma mère. J'ai la connaissance. Ça, ce mercredi à partir de 20h, 22h. Il y a des informations que beaucoup n'ont pas. Je vous donne seulement une seule information. J'ai vu des gens qui ont dit, non, c'est parce que Ténor arrive à Abidjan que la vidéo est sortie. Celui qui a filmé là, le manager de Ténor n'a jamais aimé Ténor. Il dit, il ne l'a jamais aimé. Puisque la vidéo, c'est toi qui en es le propriétaire. Le téléphone est dans ta main. La vidéo est dans ta main. Déjà, tu as vendu Ténor. Lorsqu'il y a eu l'accident, c'est toi qui es venu faire le commentaire bande de con. La déclaration bande de couillon. Ton artiste devait mourir en prison. On a tous lutté sur Facebook, défendu l'artiste, réveillé les contacts qu'on peut réveiller, touché tout le monde. Et lui s'est sacrifié. Elle t'a pris comme son grand frère. C'est toi qui es le sorcier de Ténor. C'est lui là qui le sort. C'est toi qui filme. Tu n'as pas séparé. Ça dit tout est déjà tout calculé. Tu as si bien compris. Il y a eu 20 ans, on fait plaisir. 20 ans, il y a rentré. Ténor n'est pas mon problème. Eunice n'est pas mon problème. Qui a fait sortir la vidéo? Qui est venu à la carrière de Ténor? Qui est en train de décoller? C'est maintenant la carrière de Ténor en train de redécoller. Qui est venu à sa carrière? J'ai des informations que je vais prendre le soin de donner. Eunice n'est pas une femme parfaite. Ténor n'est pas un homme parfait. Mais cette vidéo est pour rappeler aux inconscients, aux idiots, aux gens qui ont raté leur vie, qui veulent faire un match retour dans cette histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun, qui vont me trouver sur le chemin. Claire et net. Moi, je ne recule pas. Je ne suis pas un PD. Je ne suis pas de ceux qui viennent. Non, non. Je ne recule pas dans ce genre de dossier. Non, 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 non. Ça veut dire au pasteur, au petit pasteur, il faut le mettre à l'écran. Mets-toi à l'écran, je dis, quand les gangs parlent, toi, tu te mets à l'écran, tu es trop petit. Quand les lions par les gènes d'été se mettent à l'écart, sont bien couper ta barbe. Je suis pas ton ami. C'est la dernière fois. La dernière fois que tu cherches non sur mon nom. Et bien, clair avec toi. Qui est décidé de me mettre dans une logique de donneur de leçons et de paix. Mais, dans ma vérité, je dois défendre ma position claire et nette. Ce que je vois là, je défends ça. Et je n'ai jamais eu tort sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit, nous, on voit ce que les autres ne voient pas. Parce qu'on a l'œil de l'aigle. Donc, on est dans une affaire où derrière la passion est déchaînée. C'est normal.
C'est normal, c'est Facebook. C'est les émotions. On met les organes. Et puis, bon, on n'a rien à faire. Tout a augmenté. La vie est dure. Il y a la Côte d'Ivoire, Mali. Et autocar, il y a un nouveau dossier. À nous aller. Tout le monde va moyen dedans. C'est normal. Mais au-delà de ça, c'est une. Il y a Eto fils qui a marié notre soeur Georgette. Est-ce qu'il y a une famille des histoires? Non. Il y a un autre footballeur, là, je me tombe du nom, qui a même beaucoup investi en Côte d'Ivoire, qui a marié une Ivoirienne. Il n'y a pas de problème. Ma future femme sera camerounaise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Mais cette fois-ci, on dit Eunice est Zion. Eunice est Ténor. On n'a pas dit Côte d'Ivoire et Cameroun. Donc, j'aimerais demander aux gens, que ce soit les blogueurs camerounais, vous aimez votre drapeau. Vous aimez votre Ténor. C'est normal. Les Ivoiriens aiment leur Eunice. C'est normal. Que chacun défende un peu son mouvement. C'est normal. Mais que cela se fasse sans exposer et sans insulter le pays. Parce que Samuel Eto'o n'a jamais humilié Georgette. Georgette n'a jamais humilié Samuel Eto'o. Voici des exemples. Voici ce qu'on appelle des exemples. D'une bonne fraternité entre les deux peuples. Il ne faudrait pas, je répète, il ne faudrait pas que les commentaires, que les passions, on puisse rentrer dans les injures. Chacun a le droit de défendre sa position. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, défend la position de Eunice que cela veut dire qu'il est contre le Cameroun. Ce n'est pas parce que quelqu'un défend Ténor que cela veut dire qu'il est contre la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais que les gens puissent mettre bas à terre. J'ai aussi vu des vidéos où des personnes étaient très agressives vis-à-vis de Eunice. Comme des vidéos où les gens étaient très agressifs et sauvages vis-à-vis de Ténor. C'est une affaire qui s'est passée dans une chambre. On n'était pas là-bas. On a vu une vidéo où ça commence. On les voit parler, ils s'en vont. Mais une vidéo où ils reviennent, on ne montre pas ça. Après, on montre une vidéo où il y a Kadena. Parce que l'autre a fait judo. On voit le mouvement, mais on ne va pas en profondeur. Il y a ce qu'on veut nous faire voir par rapport à ce qu'on veut nous faire dire. Il y a ce qu'on n'a pas vu. Ce que je retiens, c'est un fait. On dit l'affaire a eu lieu à Toulouse, il y a de cela un mois. J'ai des versions. Mais ce samedi, mercredi, à partir de 20h, on va parler du dossier et on va ouvrir le téléphone. Mais je suis là, la raison de ma vidéo, c'est que j'aimerais interpeller. Côte d'Ivoire, Cameroun, pendant la CAN, on a frôlé beaucoup de choses. On a frôlé beaucoup de choses. Moi, j'aimerais me mettre à genoux devant les deux peuples. Si c'est moi qui tiens un langage qui blesse, pardonnez-moi. Mais je demande pardon. Évitons de mettre en mal nos deux pays. On a frôlé beaucoup de choses. C'est une affaire entre Ténor et Eunice. Deux individus. Ces deux individus-là, ils ne représentent pas toute une nation. Mais ils représentent leurs personnes. L'autre représente des hommes qui estiment être battus. L'autre représente des femmes qui existent, être trompées, trahies et battues. À partir de là, le débat est ouvert. Sur ce fait, mais pas sur une histoire de nation. Sur ce, au bipolaire, au petit voyou et micro de Facebook. Veillez et soyez délivrés de votre esprit narcissique, sorcier, démoniaco, d'apprenti sorcier. Maintenant, ceux qui veulent engager le débat dans un clash, le papa de tous les blogueurs et influenceurs africains, c'est moi. Champion toute catégorie confondue. Papa n'a 2 300 000 abonnés. Il dit, mettez bas la terre, sinon moi-même je vous mange. À bon entendeur, les gars, monétisation de Facebook là, je vous souhaite bonne chance. En main là, hélas, moi ma page n'est pas monétisée. Je ne gagne pas monnaie sur vidéo. Quelques étoiles qu'on envoie là, c'est pour les veuves et les orphelins. Donc celui qui met une étoile sur ça là, c'est pour donner un veuve et un orphelin. Mais le 4 septembre, je termine pour cela. Pour dire à tout le monde, oui, c'est vrai, il y a une histoire qui est. C'est sale. Et celui qui a filmé et qui a fait sortir cette vidéo n'a pas été gentil, ni pour Ténor, ni pour Eunice. Quelque chose qui s'est passé dans une chambre. J'entends des gens qui disent non, s'il n'est pas filmé, c'est ce qui a sauvé Ténor. Oh, mes frères, quand on n'était pas là-bas, évitez de on dit. Évitez les histoires de on dit que, il paraît que Eunice que a. Non, évitez. Quand on n'était pas là-bas, évitez.
évité. Est-ce que Eunice a cassé ses ongles? J'étais sa plaie haute. Je n'étais pas là-bas. Ce que je retiens, c'est que Eunice et Zunon, depuis un mois, ne sont plus ensemble. Ce que je retiens, c'est que ce mercredi, à partir de 20h, c'est-à-dire 22h de Paris, El Pibe de Oro, Camille Makoso va gérer le dossier. C'est moi qui prends le dossier. C'est moi désormais le propriétaire du dossier. Les hommes de Tenant m'ont déjà contacté, m'ont amené des dossiers. De l'autre côté du Eunice, les hommes de Eunice m'ont amené aussi des dossiers. Je serai l'arbitre dedans. Que Dieu me donne la sagesse pour parler avec sagesse. J'aime Eunice. J'aime le Cameroun. J'aime Tenant. Je n'aime pas trop bien. Parce que je n'ai jamais goûté son offrande. Il est sorti de prison. Je l'ai descendu. Il n'a jamais même cherché à me rencontrer. Pour dire, vieux père, est-ce que c'est Eunice aussi qui l'empêchait de venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il livre à ses enfants-là. Un amour aussi glou, aussi joyeux. Les uniformes. En venant en carrosse. Et puis, répartir ce petit vélo de cette manière. Ah! Amour, qui es-tu? Bref, toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo, je m'appelle Atangana Fokam Defo Kane Makoso. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 20, disant général, je veux ma prière. Je termine pour dire qu'au-delà de tout chose, l'amour doit être l'élément essentiel qui doit nous définir. Ne mettons pas les organes. Parce qu'en mettant les organes, frère, c'est Facebook. C'est toi sur la presse qui souffre derrière ta caméra. Ou tu souffres dans ton commentaire. Ou tu as mal parce que tu suis une vidéo. Concentrons-nous sur aussi chercher l'argent. Ceux-là, ils mangent pour eux. Quand ils se mougoussaient là, ils ne nous ont pas appelés pour être témoins. Maintenant, c'est gâté. C'est nous maintenant en disant, bref. Bon, on fait comment? C'est Facebook. Hein? Je rappelle à tous ceux qui sont à Paris, le 4 septembre. Vous ne parlez pas beaucoup. Regardez l'élément qui vous présente maintenant. Vous allez voir. Quand dit Marco, c'est un chef. C'est un chef. Le 4 septembre, tous ceux qui sont à Paris, quand vous vous présentez à la salle, c'est moi qui vous offre à tous un cadeau. Principalement à la salle Bobigny. Regardez l'élément. Le match a l'air vu extraordinaire dans la démonstration de puissance et de miracles extrêmement dangereux. C'est ça qui s'agit. Je n'en pas du côté droit depuis mon enfance. Oui. Et puis tu le connais. Et puis alors ferme encore le côté droit. Et puis tu m'entendais. Et tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Edith. Tenir correctement. Pardon? Même le bras. Attendez. Cette femme s'est fait opérer du cœur. Elle dit qu'elle ne peut même pas faire quoi? Levez le bras. C'est un problème de mensonge qu'elle a. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il est en train de l'opérer. Amen. Alléluia. Lève-toi. Tu dis quoi? Elle voulait pas lever du lit, c'est moi qui l'a ramené forcé. Parce qu'elle ne peut pas faire quoi? Elle ne peut rien faire. Elle est collée au lit. Elle ne peut pas marcher. Non. Je m'assois tous les 5 minutes. Pardon? Je m'assois tous les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu t'assois? Oui. Ce que tu viens de faire, tu ne peux pas le faire? Non, je ne peux pas le faire. Pendant que je parle, une maison qui a été prise, sa mère est morte et elle devait hériter de la maison. Et ils ont fait une marmaille, ils ont récupéré la maison, elle n'a pas hérité de la maison de sa mère. Je ne répète pas une révélation deux fois. Si cette femme est là, elle célèbre rapidement, elle vient. Elle devait hériter la maison de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore eu possession de la maison de sa mère. Et cette femme est dans un projet d'assassinat. On veut encore la tuer. Maman, Yako. La grande finale sera
bouleversante. Fire. Elle sera explosive avec un cocktail de miracles et de déblocage de 1000 personnes dans toute la France, l'Europe. Et est attendue pour le 4 septembre à partir de 10h à la Grande Salle, La Palme à Bobigny, au 90 avenue Henri Barbuse, 93 000 Bobigny. C'est ma rencontre, c'est la rencontre des futurs milliardaires avec remise gratuite de puissants parfums juifs appelés accélérateurs des finances. C'est le moment où tous vos blocages seront brisés. C'est le lieu où votre nom passera d'échec à la réussite. C'est le rendez-vous de la dernière chance pour vous et votre famille. Le dimanche 4 septembre 2022 à partir de 10h au 90 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Où que vous soyez, descendez sur Paris. Quoi que vous ayez prévu, annulez tout car votre histoire connaîtra un changement total, radical et phénoménal. Entrée gratuite, orateur. Il n'est plus à présenter l'homme le plus puissant dans le monde francophone. Toi-même, tu sais. Il est un prophète majeur de catégorie super internationale. Prédicateur hors gabarit. Général de Dieu Camille Makoso. Lévier. Le père des veuves et des orphelins. Le plus grand influenceur dans toute la francophonie. Infoline 00337 60 150 750.